上皇の前はあと一つの球を残すのみ。最後の創御球へと至る道の途中、春はある決意をしていた。最後まで男らしく戦うこと。それは兄である一輝との別れ際に交わした約束でもあったのだ。Salut à toutes et à tous, c'est Silence Dark 59 et me voici pour la suite de mon let's play sur les chevaliers du Zodiac, la bataille du sanctuaire. Et comme vous pouvez l'apercevoir, on est bientôt à la fin du jeu. Donc je suis avec Sean pour aller affronter le chevalier du poisson. Donc c'est vraiment le dernier chevalier d'or avant le grand pop. Donc avec Sean normalement ça devrait être rapide. Hein. Le gars il est planté sur le poteau, ça j'aime bien. Donc ouais, ce sera sûrement le dernier épisode de ce let's play. Peut-être que je vous ferai les vidéos des scènes cachées, je sais pas encore en fait. On va quand même massacrer un peu dedans parce que sinon je vais pour 3 ans. Donc ouais, j'ai décidé de finir mon let's play. Quand même, ça fait un moment que je suis dessus quand même. J'espère que mes let's play précédents vous auront plu sur ce jeu. Moi, je suis surpuissant. Là, il me crache du feu les gars. Ça y est, il se croit au cirque. Moi je tombe dans le vent. Oh, avec ça, Shen va plus vite. Il tape vraiment sur tous les bonhommes à proximité, hein. Ça c'est super bon. Hein. Hop. Par contre le prochain jeu en let's play je sais pas vraiment c'est lequel. Donc j'ai trouvé Resident Evil Archive hein, sur la Wii. Moi bon, j'ai testé un peu bien sûr. Mais bon avec la manette Wii c'est pas facile hein, franchement. Ouais. Donc je me trouve une manette classique, ça serait déjà pas mal. Ah mais je suis en cramé, ouais, là je peux essayer de voir. Hein. Bah pendant ce let's play j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop eu de ralentissement. Parce que j'ai vu franchement des vidéos où le jeu il ramait vraiment pas mal. Donc j'essaierai de vous faire des autres vidéos découvertes. Hein. Mais bon je sais pas quel jeu je vais faire. Hein. Parce que je vais pas acheter tous les jeux non plus. Hein. Acheter un jeu c'est quand même cher, hein. 70 boules le jeu. Je suis pas millionnaire non plus. Hein. C'est plus rapide, heureusement. Après la mort des deux autres chevaliers, hein, comme tu es le chevalier du Capricorne et le chevalier du Verseau, on approche vraiment de la fin. Il commence à faire nuit. La flèche est de plus en plus proche du cœur d'Athéna. Bon ça va, c'est pas encore trop bien on va dire. Ah oui. Franchement les gros là c'est un peu de l'abus. Ah mais en plus ils m'ont fait une double. Voilà, ça nettoie. Allez hop, on récupère les petites boules. Ouais, je me rappelle plus du tout c'est quel les chevaliers de noir que je me suis chopé. Donc,
J'ai fait tous les stages en... J'ai rien du tout que vous voulez. Et en plus je me suis fait cramer. J'ai fait l'émission là, comment ça s'appelle? L'émission... Ah, je sais même plus comment ça s'appelle l'émission, ça y est. J'ai un trou. Ça y est, je suis comme les vieux. J'ai Alzheimer, je peux plus. Alors... Oh, c'était l'émission là, spéciale, je sais plus quoi. Enfin bref. Je m'en rappelle. Je sais que j'ai déjà fait un hein. Bon, on avance. Hein. Je vais essayer vite faire la maison parce que je vais pas traîner non plus. Bah voilà, voilà. Donc là l'histoire pour les Andromèdes, hein, ils veulent piquer Nozora en mur en fait. Hein. Mais bon, t'as plus de chance. C'est vraiment c'est Andromède le cheval le plus puissant. Donc le Sané, c'est vraiment le plus puissant. Le L, pourquoi je dis L, c'est un mec, putain. Après je commence. Ah mais lui il commence à me casser les burnes là. Il spam dans le fond là. Ça marche. Une hibernac, que chacun sa gueule. Oh je fais toujours le même hein. Ça passe bien hein. Je vais niquer direct. Voilà. A priori j'ai peut-être plus de cheveux noirs, à moins sur la route en rose, on verra après. Hein. Donc voilà. Et oui, il reste plus qu'une flamme. 6 minutes. Un rang B, un bidour, même en 6 minutes, je vais même pas un rang O. Donc je suis niveau 19. Voilà, j'étais sûr que j'allais pas passer niveau 20. Hein. Andromède est déjà bien boosté. Voilà, on va passer direct. Niveau suivant. Allez hop. Il me sauvegarde comme d'hab. Je vais sûrement vous faire une vidéo découverte sur Sniper Elite V2 parce que j'ai fait la démo et franchement j'ai adoré. Mais bon, ce jeu-là j'en parlerai un peu plus. さあ、君に頼みたいことがあるんだ。創業級についたら君はまっすぐ強行の魔を目指してくれ。シュー、僕をどうしても一人で創業級のゴールドセイントを倒さなければならない。なんだって？12級最後の創業級を守るセイント。その美しさは88のセイントの中で随一と言われるピスケスのアフロディーテ。 僕のセイントに育ててくれた先生を倒した男だ。さあ、セイヤ、先に教皇のままで行ってくれ。よし、じゃあ先に行ってる。何？お前が来る前に教皇は片付けてるかもしれないぜ。うん、ちょっと通らせてもらうぜ。アバヨー、ディスケスのゴールドセイント。セイヤの邪魔はさせないよ。 あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の敵を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。何を？行くぞ。少子な。 Je vais passer à son vraiment une gonzesse. セイヤが総力を抜けるまで動かないでもらうよ。アンドロメダ、教えてやれ。この創業級を抜けたからという。あ、何だって？あのペガサス途中で行ったエボンド、バラの葬列に送られている。
Bon, je vais mettre quelques combos à la tronche parce que sinon il va me défoncer la rate. Merde, putain, le bouton. D'accord, bon, c'est chaud. Ouais, que Shana, son cosmos il monte ultra vite. Oh, bien joué ça. Il a déglingué mon armure, par contre ça a bien tremblé ma manette, franchement. Ouais, mais là sans armure, j'aime pas le battre sans armure, c'est un peu l'arnaque quoi. Ouais, mais c'est peut-être la chercheuse. Ouais, il va me niquer, bah ouais. Ah là là, ça m'énerve, ça. Jouer sans armure. C'est honteux. Ça, c'est vraiment un truc honteux, ça. Je sais bien que dans le manga, ça le fait, mais bon. Ah, mais ça me suit, ça me saoule. Rostafiol, Terros de Tarnus. Oh, mais c'est inévitable. Oh, bah, c'est déjà la moitié du combo, ok. J'ai toujours pas mon truc pour faire mon attaque Big Bang. Alors, je peux faire la tornade nébulaire, coup spécial 2. En enlevant votre armure, votre coup spécial 1 devient une tornade nébulaire. Votre coup spécial 2 devient une tempête nébulaire. Ah ok, oh bon. Ah ouais, okay. On va éviter la rose. Ça rose, hein. Oh merde, j'ai pris la main gueule, il se passe quoi? Ok, ça m'émeut. Oh putain, non, j'ai une rose dans le bide, quoi dans le cœur. Ah, ça pompe mon énergie. Oh, je suis mort. Oh. Mais c'est hardcore, hein. Putain, lui. Oh, il va être casse-couille, lui, je sens. Je le sens venir. Oh, mais il me l'a déjà mis dans la gueule, et vas-y, ça me gave. Ouais, bon chat.
Tornade nébulaire. Et j'ai niqué, ouais, magnifique. Et j'en ai chier, putain. Pour qu'il ait une attaque Big Bang, toi, waouh. Bah pour ceux qui savent pas qui est Albiur, hein, c'est le maître de chaîne. Hein. Il se fait tuer par le chevalier, bah ce chevalier là. Hein. Oh, rendez, oh, qu'est-ce que c'est pourri. Il se fait tuer par le chevalier, enfin, le chevalier du poisson. Sur l'île d'Andromède. Donc voilà, la chaîne l'a vengé. Mais bon, à quel prix? Vous l'avez vu. Moi je vais zapper tout de suite parce que, voilà. Je vais pas booster un chevalier que j'ai pu utiliser dans l'aventure. Ça sert à rien. Maintenant, on va passer à Seyar, normalement, sur la route de Rose. Pour aller vers la maison du Grand Pop. Je vais pas vous dire qui est le Grand Pop, vous le verrez bientôt. Mais bon, si vous avez suivi le manga, vous le savez, hein, bien sûr. C'est pas un secret pour personne. C'est plus un secret pour personne. Ouais, route de Rose. Donc là... c'est pareil, hein. Bon, c'est la route de Rose, c'est chaud, parce que normalement je perds de la vie avec les roses. Hein. Donc on va déjà les allumer bien, franco direct. Mais par contre, peut-être que j'avance, parce que je reste en bas. Donc on va avancer. Vous voyez, ma barrière descend petit à petit. On va essayer de vite grimper. Non, ça décolle, ça va plus vite. Ça fera plus. Voilà. On fait ça, on récupère les boules comme ça. Il n'y en a pas. Hop. Là, il y a de l'énergie, hein, comme d'hab, hein, de toute façon. Mais bon, faut vite monter, hein. Boum, je suis dans les vapes. Ah bah merde. Mais il se passe quoi maintenant? Ah bah je fais Shina. Bah je fais Marine. Ah bon, ça je savais pas. Donc là c'est... là c'est ma grande nouvelle du jeu. On fait Marine une fois au moins. Par contre ton vie elle fait peur. Hein. Wow. Je sais même pas pourquoi il m'attaque pas les gros cons. Ah, ça fait plaisir quand même. Jouer avec Marine, franchement. Ouais, Marine, elle est sexe. Rien à dire. Mais par contre, niveau vie, Marine, c'est pas Seiya. Hein, une bonne surprise. Il n'y a rien à dire. Mais bon, comme ma barre de vie descend, Marine, c'est pas un chevalier que j'ai boosté, donc... Seiya,
Ouais, franchement, pas mal. Il me fait marquer à Arceur. Normalement, dans mon cas, hein, c'est Marine qui essaye à remonter le chemin de Rose. Hein. C'est même là qu'on pense que sa sœur, c'est Marine. Donc moi je crois vraiment que c'est sa sœur, mais bon. Voilà. Vas-y, dépêche-toi toi, gros lard. Moi je vois la baraque en haut. Donc elle va tomber dans les vapos aussi. Ah, les sexes, j'adore. Donc, dernière partie avec Seiya, hein. Donc là ce sera un mix Seiya Marine. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle, il pète les roses avec ses météores. C'est vraiment ça. Et boum, une comète. Qui veut manger la deuxième? Allez hop, on y va les enfants. Tellement tapé fort que j'ai pété tout le monde. Ah bah tiens, là, Shina. Je dois faire quoi avec Shina? Elle est bien entourée, Seiya, hein, entre Shina et Marine, hein, franchement. Donc là, c'est sûr qu'on arrive chez Grand Pop. Hein. Là, c'est à foison. Il y a du monde. Tout le monde veut m'aimer. Bon, ça ramouille un peu. Hein. Ah là, ça commence à bien ramer. C'est sympa. Mais bon, je vais pas me plaindre. Ça rame pas trop non plus, faut pas non plus exagérer. Ça ramouille un petit peu. Des petites baisses de framerate, hein, comme d'hab. De toute façon, dans ces jeux-là. J'ai vu pire dans certains jeux. Et ça m'empêche pas de jouer avec. Ouais, ils ont peur là-bas. Ah, vous avez pas les Tarlous. Hein. Bon, allez, on va niquer le grand pop. Allez, c'est parti. Oui, hein, même pas besoin de les frapper, ils se barrent. Ils ont vu c'est qui le chef. Et c'est moi. Donc je sais pas là si Marine va prendre des niveaux ou pas, mais niveau terminé, ouais. 4 minutes. Mais Joe il était court celui-là. Et un rang haut. Un petit chargement. Donc c'est Seiya. Hein. Monte un niveau. Par contre je vais un peu le booster hein, parce que là le grand pop ça va être chaud l'haricot. Moi je vous le dis direct. Donc on fait statut. Hein. Statu quo. Allez hop. On va le booster en attaque à fond. Quoi pas à fond, hein. C'est pas assez pour mettre à fond, mais bon. Je vais claquer à 300. Et je vais lui mettre de la défense aussi parce que là, c'est le boss final. A priori, il va être ultra hard. Ah ouais, ça, c'est moi qui vous le dis. Je me rappelle que sur PC, il était déjà bien casse-couille. On va mettre de la life à 1700. Avec la barre de vie, elle est quand même bien montée. Hein. 1700, hop. Un peu de cosmos. Bon, je vais pas faire jusqu'à fond parce que sinon je vais pas. Je vais mettre 100 ans. On va mettre à 3006. Donc ça va, le cosmos ça monte 200, de 20 en 20. Ah, je vais faire les coups spéciaux un peu aussi. Je vais faire surtout la comète. Ok, ouais, parce que franchement. Je vais la mettre à fond si moyen. À niveau 10 max, donc là en cosmos utilisé ça consomme plus pas grand chose. Allez hop, c'est parti. Donc un petit chargement, allez hop. Ikki, Shiryu, Hyouga, Shun.
友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。ビッデペッシェヤー、ビッド。お前が教皇か。聖夜、よくぞここまでたどり着けた。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力尽くても連れて行くぞ。何？セイント、すまないが私の力ではアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜、この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケ、左手には盾を持っていたんだ。いわばその二つこそアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か？私に構わず早く行くんだ、聖夜。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待って。教皇、なんだ？誰が？取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。これは一体？死ねせよ！アテナ神殿に乗り込まれてたまるものか。なんだ、一体どうしたんだ。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覚え、我がクロスよ。Mais ouais, je vais te défoncer, arrête, t'es trop con, va. Mais oh là là, je tape. Ah, mais ça commence super bien. J'adore quand ça commence comme ça dans un jeu. Mais j'ai pas le temps de faire un coup, quoi. Mais non, de toute façon, je ne peux pas pouvoir.
Je suis immobilisé, mais bon, ma comète elle a fait mal. Ah, mais. Ah merde, ça s'est accroché tout pour lui. アテナの命を救える。 La pose comme le manga. Je me rappelle dans le dessin animé, ça faisait ça. 8 minutes 48. Moi j'étais rapide. Moi, quoi qu'avec Seiyar, ça tape dans le truc. Je suis niveau 13. Allez, ok, fin. Allez, hop. Niveau suivant. Bah ouais. Donc on poursuit. Hein. Allez, petite baston. A priori, ce sera baston, baston et baston. Mais avant, le petit chargement, comme d'hab, donc Kiki est ramené par Shaco. Oh putain, j'ai rien pris là. Oh lolo, c'est quoi ça? Ouais, mais mitraille, c'est pas une pistolet que toi. Oui, qui j'adore quand il fait son truc, j'adore. Oh, j'ai tapé dans la gueule, mais j'étais bien touché. Comme ça, on va l'éviter, hein, quand même. Donc, on va reconcentrer le truc. Voilà. Ça fait mal, ça.
Ah mais bon, je retombe en paix sans son pouvoir. Ça me suit, c'est chiant. Donc là je l'ai cramé, donc il perd de la vie, mais il ne sera plus longtemps. Donc ça va. これでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。 Terminé, bon, c'était rapide et kiki, hein. Franchement, une minute à... Encore un rang haut. Niveau 21, bon, et qui c'est plus boosté, hein. À part en vie, hein. Vie et pas beaucoup de vie quand même. 1200. Ah, c'est un mur cassé. Je veux dire enfin. ペガサス、見ることもできない。感じることすらできないペガサス。なおも私に戦いを挑もうという。アテナの命を救うことを取りに行くために。俺たち、命に代えてもアテナを救うと誓ったんだ。俺の友が命を懸けて俺をここまで導いてくれた。 Donc il faut fuir un autre, il faut faire ça. Il faut vite courir dessus et le frapper. Comme ça tu fais. Ah,
j'aurais dû la faire demain. Mais... Ah, mais. Ah, t'es trop loin. Ah, comment il m'a esquivé là, bien joué. Donc là, on concentre pour taper plus fort et boum! Normalement. Putain, mais pourquoi il va taper à Petoshnok lui? Franchement, il manque un système de lock. Ah, bien sûr, c'est cool qu'on suivra Petoshnok. Allez, c'est ça. Mais vraiment toute petite, ça fait 3 minutes quand même hein. À rendre bon niveau 14 hein. Folie divine des sagas.